Donc, bonjour, bonjour proprement à tous. On va donc repartir sur Rayman 2, Rayman Révolution. Hier, on devait donc aller à la caverne du crâne, puisque bah, j'ai enfin réussi à trouver tous les looms qui me manquaient. Il me semble que je suis à jour. Donc, on va pouvoir continuer. Normalement, je crois que j'ai tout. Il n'y avait pas un endroit où genre il m'en manquait un. Non, ça c'est bon, c'est fait. C'était le hub. Et je l'ai trouvé au final. Donc je crois que je suis à jour. Donc, puisque je suis à jour, dans mon souvenir, eh bien, ma foi, c'est parti. Alors, est-ce que le son ça va? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que les mêmes questions que d'habitude, quoi, globalement? Est-ce que tout est correct? Donc, la caverne du crâne, on était à la recherche de notre ami Clark. Clark qui s'est fait kidnapper par de vilains pirates. Et donc, à sa recherche et tenter de voir qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça passait. Voilà, on a tout. On a tout. Alors, c'est par là? Oui, c'est par là. Très bien. C'est très très bien les sauts hors champ, c'est super cool. Le son est bon, très bien, très bien. Quelque part dans le ciel. Ah. Vaisseau prison des pirates, esclave à bord, 45263. Toi encore! Ils ont trouvé le troisième masque! C'est pas possible! S'ils trouvent le dernier, je m'occuperai de tout. Le son est bon, le son est bon, le son est... ça va parce que c'est toujours un stream de qualité. Oh, oh, petit cœur sur vous tous. Je ferais bien un... Si, par contre, même si Nightbot est cassé, vous pouvez toujours écrire ceci. Vous pouvez toujours écrire ça. Ça, c'est Moobot qui gère. C'est tout con. Vous faites random hug. Et ça sélectionne quelqu'un au hasard dans les viewers. Je peux pas faire de hug à quelqu'un. Je peux pas faire directement la commande machin fait un truc à quelqu'un. Les bots ils savent pas gérer ou j'ai pas trouvé comment faire. Mais voilà, avec le truc random hug, vous pouvez faire un random hug ben, à quelqu'un du chat. Tout simplement. Donc ça marche toujours. Ça, c'est les commandes de Moobot. C'est pas Nightbot, c'est les commandes de Moobot. Vous avez aussi la boule magique. Vous avez la boule magique, c'est 8 ball. Donc vous pouvez faire soit 8 ball, puis 8 ball et par exemple Moobot. Mais vous pouvez mettre le nom de la personne que vous voulez, en fait, suivi à la place. Enfin, suivi de 8 ball. Donc ça c'est commande de Moobot, hein. C'est pas Nightbot, c'est différent. Donc quand vous faites ça, là ça vous donne votre taux de compatibilité avec le user de votre choix. Vous avez aussi la roulette. Voilà. Attention. Ha 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 ha. J'ai survécu. Donc vous avez la roulette, vous avez le seppuku. Et vous avez le love. Alors la commande love. Vous marquez donc point d'exclamation love et vous marquez quelqu'un de votre choix, par exemple un viewer. Parce que bon, si vous marquez Moobot, c'est ce que je vais faire moi, mais si vous marquez Moobot, ça ne marchera pas. Mais par exemple, vous pouvez marquer love et puis bah, je sais pas, par exemple moi, et ça vous donnera un taux de compatibilité avec la personne choisie. Moi, je le fais avec Moobot parce que ça m'éclate. Et quand je le fais avec Moobot, oh mais non, enfin, les bots ne peuvent pas aimer! Voilà, donc ça c'est les petits trucs de... Non,
un RIP Nightbot. Ça, c'est des petits trucs de Moobot. Donc voilà, j'ai Moobot et Nightbot quand il marche, mais allez savoir pourquoi Nightbot n'est pas là. Donc, enfin, il est là, mais il fonctionne pas. Donc, bref, voilà pour les commandes. Vous avez donc 8-Ball, 8-Ball suivi d'un pseudo, Roulette, Seppuku et Love avec un pseudo. Voilà. Si vous voulez vous éclater et tester les trucs, allez-y. Par contre, attention, sur la roulette, vous pouvez vous faire time out. Ce sera pas un time out long. J'ai fait en sorte que ça ne soit pas long. Mais la roulette, c'est la roulette russe, hein, donc ça peut vous TO. Ici a été capturé Clark avant d'être emmené au contrôle technique. Enfin, emmené au contrôle technique. Alors, donc là-bas on a une cage et ici on a ça. Bon, la musique ici elle est pas très cool, hein. Moi j'en suis pas fan. Honnêtement, j'en suis pas très très fan. Voilà, fin de la poursuite. Est-ce que ça fait mal ça? Oh oui, ça fait mal! Oh mon point d'or! Je fais n'importe quoi. Oh, cet endroit est vraiment... Parfois faut lui laisser du temps, hein. Parfois Moobot a besoin de refresh. Donc parfois faut réessayer, faut pas spammer non plus, mais parfois il faut lui laisser le temps de se recharger au niveau de son cooldown. Donc quand tu vois que ça marche pas, enfin quand vous voyez que ça marche pas la première fois, attendez un petit peu et réessayez après. Logiquement ça devrait marcher. C'est juste que parfois il a un peu de mal. J'imagine qu'il y a des cooldowns, donc c'est juste pour ça. Je vais le réduire justement, je vais le réduire. Voilà, je mets le cooldown à 30 secondes, comme ça ce sera plus simple. Pouf, save, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça aussi est cooldown, save, pouf, duration, pouf, voilà. Je fais des petits réglages que j'ai oublié de faire hier. Voilà. Voilà, maintenant vous pourrez écrire plus souvent ça. J'ai mis 30 secondes de cooldown, parce que bon, si je mets une minute, bon voilà. Mais là, j'ai mis 30 secondes de cooldown au niveau des différentes commandes. Voilà, et la seule commande qu'il a, Nightbot, que je lui ai créée, donc c'est le random hug. C'est tout. Que je trouve assez rigolo. Des fois, tu peux hug Nightbot. C'est assez rigolo. Alors, c'était où? C'était ça, c'était random hug. Voilà, ça c'est le truc que j'aime bien faire. Ah, mon pauvre Nightbot. Mon pauvre Nightbot, je ne sais pas ce qui t'arrive. Bref. Mais du coup, tu peux réessayer un hein, Katsuki. J'ai baissé le cooldown, donc... Donc, y a pas de souci. Alors, je ne sais plus par où il faut passer. Est-ce qu'il y a un truc en bas? Non, je pense que je peux aller en bas. T'es censée être morte. Merci.
Elle pop à l'infini, les araignées, ici? Je crois que oui, hein. Je crois qu'elle pop à l'infini, les araignées. Donc on va juste se barrer. Hop. Alors, est-ce que j'ai bien tout pris? Très bien, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Ah, bon, je vous préviens, la musique de ce niveau, elle est vraiment pas, pas top. Hein. Prends un échantillon, mais je peux pas. Je ne peux pas prendre d'échantillon. Rayman, il sait pas faire ça. Je ne peux point. Oui, bon, par contre, évitez quand même le spam de commandes, hein, Grundy. On n'incite pas au spam, non mais oh, c'est quoi ce modérateur dissident, sérieusement? Donc là, il n'y a rien. Très bien. Toi, tu te calmes. Non, Rayman, il a glissé. Pourquoi t'as glissé? Vous devriez faire des câlins à Lulu. Oh. On fait toujours des câlins à Lulu. Oh, c'est mignon. C'est bien pour ça que je vous ai... Oh, casse-toi l'araignée. C'est bien pour ça que je vous ai fait des bottes qui font des câlins. Comme ça, bah, vous pouvez avoir des câlins. Bon, sauf que mon bot à câlins, il est capoute. Hein, Nightbot, c'est celui qui vous fait les câlins normalement. Là, il se trouve qu'il est tout cassé. Mais bon. C'était pour les araignées. Ah, bah précise. Je pensais que tu parlais des commandes. Il y a le décalage, hein. J'ai beau l'avoir réduit un peu, faut pas oublier qu'il y a toujours du décalage. Donc, si vous ne précisez pas votre pensée, il y a des risques de... malentendu, donc du coup, je m'excuse, Grundy, je n'ai rien dit, tu n'es pas dissident, du moins, pas pour le moment. Pas pour le moment, il n'y a pas de cage par ici? Très bien, bon, ça me paraît bizarre, parce que ça aurait pu être une bonne place. Je suis sur le coffre, ouais! Vous devez penser en plus. Non, ça va, vous pouvez vous contenter de rester de manière... pas amorphe, mais vous pouvez vous contenter de rester sur le stream en mode je ne fais rien, je me repose, y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah oui, y a encore les mains qui veulent nous choper, très bien. Les robots bruyants, hein, les pirates qui font du bruit, c'est très très bien. C'est sympa, c'est toujours agréable. Cette pollution sonore. Oh, qu'est-ce que c'est bruyant, les missiles! Oh! Yeah! Bah, mais j'ai pas réussi à faire de commande où tu fais hug avec le nom de quelqu'un. J'arrive pas. Ça ne fonctionne pas bien, donc tant pis. Il y aura que hug et random hug. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On n'a pas assez d'amour dans ce monde. Y'a rien ici? Non, je crois qu'on a tout. Y'a rien là-haut? Non. Et là... Là, c'est bon. Bon, je crois qu'on a tout. Surtout que le son n'est pas dégueu du tout sur le missile. Absolument pas. Absolument pas. Technique de pro speedrunner, hein. Je monte l'échelle en sautant. L'échelle faite de toile d'araignée. Que vu sur le cimetière, c'est magnifique. Oh, j'aime pas du tout la musique de ce niveau. En plus, ça se veut pseudo spooky. Bon, ça fait pas vraiment peur, hein, je vous rassure, mais du coup, ouais, l'ambiance, bon, ça... L'ambiance est réussie, mais la musique, elle est bof, quoi. Enfin,
Elle est dans le thème, mais je suis pas très fan. Alors, rien là. Très bien, très bien. Là non plus. Bon, bah y'a rien. Je regarde quand même bien. Bon, c'est bon, on peut pas aller... On ne peut pas aller derrière, donc... sautons dans la tombe. Sautons dans la tombe. Ça fait film d'horreur de série Z à ce niveau-là. Un peu, ouais, ouais, ouais. Un peu, effectivement. Alors... Normalement, c'est ici que le niveau commence sur PS1, il me semble. Donc là, je crois qu'on a tout... Allez, caméra, tu peux faire le tour. Non, il n'y a plus rien. Quand tu le fais étant petit, l'ambiance et la musique sont nickel pour ce qu'ils sont... pour ce qu'ils ont voulu faire. Ah oui, ça, par contre, oui, effectivement, c'est vachement réussi. Mais j'ai jamais trop aimé cette musique, ça. Ça change pas que cette musique m'a... J'ai jamais trop aimé. Je trouvais qu'elle était... Ah ! Pas cool du tout. J'aime bien parce qu'il y a des fois où Rayman il tire tout seul, genre quand j'étais en train de faire l'hélicoptère, j'ai pas tiré. Et Rayman il s'est dit « Ah, je vais tirer !» C'est rigolo. Caméa, mais c'est pas passé. En même temps, c'est un peu compliqué de se repérer là. C'est pas bruyant du tout. Du tout. Y a pas de cage ici? Non, je crois que c'est dans la PS5 qu'il y a une cage ici. De toute manière, on l'entendrait. Laissez-moi faire ce que je veux avec ma caméra, bon sang! Ah, c'est pénible. Je crois qu'il est sorti en 2000, je crois. Il me semble que le Rayman 1... Enfin, le Rayman 1, non, le Rayman 2 PS1, donc The Great Escape, il est sorti en 99. Et je crois que celui-ci est sorti en 2000, si je dis pas de bêtises. Bon, les chauves-souris, vous vous calmez, là? Wow. Alors, la cage, où caler? Bon, j'imagine qu'on va voir... Oh, il y en a encore. Ah, elle est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Je ne sais plus quel est le bon chemin. T'avais peur que ce soit plus tard, t'aurais eu peur pour les effets sonores. Oui, mais non, 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 c'est 2000. Hein. Je crois que c'est par là, en fait. Ah, je sais plus si c'est par là ou de l'autre côté. Donc, bon, ça va, c'est pardonnable. Mais je pense qu'il y a pas mal de petits bruits qui ont été repris des anciennes versions. Je pense que, par exemple, pour la PS2, il y a certains bruits qui ont été repris de la PS1, je pense. Wouhou. Wouhou.
Je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Ce qui pourrait expliquer des fois la qualité sonore un peu douteuse. Alors là aussi, je vais faire une sauvegarde. Alors, j'atterris où ici? Si on a un point doré. Je saurais vraiment pas dire lequel est le bon chemin. Bon, du coup, j'ai complètement raté le point doré. Je sais pas du tout quel est le chemin à suivre. Hey Sparky, glad you're back. Yes, I'm back. You're so sorry I missed your 2 PM stream yesterday. Oh, don't be sorry. I mean, you got a life too, so don't worry. Merci du host. Even if it's in French, if you really want to see what I've done yesterday, you could still try to watch the VOD, which are both on my Twitch and my YouTube channel. But if it's not that important, then you can just stay here with us. Just feel free, you know? Just do like you would. I mean, that's not your home here, but sort of, so don't worry. Just feel free to do whatever you want, I don't wanna die. Lutter contre l'esclavage du riz. Mais, enfin Mr. Cross, comment ça va? Youhou! So yesterday we've done lots of things. We went through many different places. I've got 3 masks now, and I'm currently on my way to save Clark, because he has been kidnapped by the pirates, and I have to rescue him. So that's why that's what I'm doing right now. Stop, pop, please. Qu'est-ce qu'ils sont chiants à apparaître toutes les 5 secondes. Là, Moobot il est vivant, mais Nightbot est dans les choux. So my Nightbot died, I don't know why. I mean, he's in a chat, but he won't react to my command. And I don't know why, but never mind. But you can still play with Moobot. Moobot is here and ready to work. Ready to work. With some funny
Oh, I hugged Nightbot, but this fuckery doesn't not even work. So you've got the random hug and some roulette to play the Russian roulette. I don't know the name in English. You can play the 8 ball, etc., etc., and so on. Donc voilà, il y a les commandes de point d'exclamation 8 ball pour faire la boule qui vous dit l'avenir, des trucs comme ça. Si vous mettez un pseudo derrière, ça vous donne des probabilités. Il y a la roulette, il y a seppuku et il y a love avec le pseudo de quelqu'un d'autre derrière. Donc Moobot fonctionne, mais Nightbot est dans les choux, donc tout ce qui est commande pizza, machin, chose, bidule, ils sont capoutes pour le moment. To play 8 ball, you have to write exclamation mark 8 ball without space, and then you can enter the name of someone. I'm gonna write it down. So, for example, if I want to do the 8 ball with someone, for example, I'm gonna do 8 ball with Moobot. Alors oui, ça marche pas avec myself, c'est juste love et tu mets le pseudo de quelqu'un. Genre, si tu fais genre love Moobot, tu vois, il va t'engueuler parce que silly organic bots cannot know love. That's my favorite response. So love is working with the name of another user, of another viewer in the chat, because that's something funny. So I'm just gonna try to save here. I don't wanna die. Could you go away? Nee! Ah. I think it has a cooldown of 30 seconds, so if the command does not work, just try again. Could you please catch? Thank you. No? Okay. Screw me. J'aime bien hein, quand tu peux pas attraper les looms pour n'importe quelle raison. I love when Rayman cannot catch the looms for whatever reason. The purple looms. Merci. Oh, for our beloved dear leader. I never saw that one before. Donc du coup, très bien, ça me ramène ici. Donc là, c'était là où il y avait la plateforme, c'est ça? C'est ça, trop cool. So yeah, I've done everything. I can go on, because I didn't know which way was the good way, the right way. So this is the right way. Hey!
I miss the looms. Ah mais nu. Why am I so derpy tonight? No, today. Why am I so derpy today? I cannot play this game anymore. I forget how to play. Give me the looms. Bien, bien, bien. On dirait qu'aujourd'hui je n'arrive plus à jouer. Aujourd'hui je fais du derp. Ça vous avait manqué, hein. Avouez-le. Bah oui, ça va aller. Faut juste que j'arrête de mal jouer. Il a pas réussi à sauter sur la plateforme. Why I couldn't jump on the platform? I don't know. There's a weird movement. I mean, I'm drag with the movement of the platform. I mean, like inertia, but I don't know if it's the same word in English. In French, it's inertia, but be right back, gonna eat breakfast. Okay, see you. See you soon. I was talking to you in French, seriously. I need to speak English at work. Oh, everyone is loving me. C'est très très bien. Un streamer pour les gouverner tous, un stream pour les trouver, un stream pour les amener tous et dans l'amour de Lulu Lélier. C'est mignon. Oh là là, mais c'est... Oh là là, c'est fantastique. Oh là là, c'est... Ah, c'est foufou, hein. Ah, c'est foufou. C'est beaucoup trop d'émotions. Oh, j'ai beaucoup de chance. Non, vraiment. J'ai vraiment beaucoup de chance. Vous êtes trop mignons, les gens. Vous êtes beaucoup trop mignons. Beaucoup trop mignons. Waouh, ce snipe que j'avais même pas vu. Enfin. Ça c'est fait. Love Kappa. Mais... mais Rayman. Tu as un souci avec le matériel Apple, visiblement, qu'est-ce qui se passe? Moi, le seul que j'ai truc Apple, c'est un iPod, mais un iPod classique que j'ai depuis un sacré bout de temps.
Et je vais pas trop m'en plaindre. Celui-là fonctionne bien. Mais c'est vrai que les trucs plus récents, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Ou même les téléphones, je sais pas du tout ce qu'ils valent, donc... Love Kinder. J'espère qu'il y avait rien derrière parce que j'ai pas le temps de me retourner pour vérifier s'il y avait rien derrière. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier qu'il y a rien derrière parce que ça va me perturber. Ça se trouve, il y a vraiment rien derrière moi, hein, mais j'ai besoin de m'en assurer. Voyez-vous. Et pim! Deux Kamehameha dans la gueule et c'est bon. J'aime bien comment à chaque fois ils ont l'air trop heureux. Bon, en même temps ils sont libres, donc oui ils sont heureux, mais je trouve ça mignon. Alors, pouf. J'ai battu 30 minutes pour DL une app parce qu'il ne voulait pas prendre le compte iCloud. Eh bah ben, dis donc. Alors, non, monte. Voilà, juste là. Donc là il n'y a rien. Ok, c'est bon, il n'y avait rien. Très bien, je préférais m'en assurer. Hein. T'as le dossier de la chaise derrière toi, à moins que ce soit un tabouret, c'est-à-dire... Comment ça, j'ai le dossier de la chaise derrière moi, à moi... Oh, tu... C'est à moi que tu parles, Aka? Il y avait un truc derrière? Parce que je peux toujours recharger. Hein. S'il y avait un truc derrière, je peux toujours recharger. Est-ce que c'était à moi que ça s'adressait ou pas du tout? Savoir si je recharge ou pas. Ah! Ah putain, effectivement! Je voulais savoir s'il y avait rien derrière moi. Il y a le dossier de la chaise à moins que je sois sur un tabouret. Putain, je viens de comprendre, effectivement. Ah, j'aime bien, c'est mignon. C'est un peu long à la détente, mais c'est très très cool. T'es obligé de reset un iPad parce qu'il est verrouillé et du coup faut supprimer toutes les photos, musique, machin. Oh merde, pas cool ça. Pas cool du tout. Mais non, sors pas, reste là. Reste là. Raymond Clark. Mais moi j'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Non, lâche-moi. Alors, comment ça fonctionne déjà? Je crois qu'il faut que je lui fasse passer ça. Non. Il faut que j'active les interrupteurs, je crois. Ah oui, et là je dois lui faire marcher dessus. Non. Ou alors peut-être que j'active les trois. Ah oui, c'est ça, faut que j'active les trois interrupteurs. Et après qu'ils viennent par là. Et là il tombe, c'est ça. Là il tombe et là je peux frapper ce truc. Ah, encore un coup. Dommage, presque. Allez, viens là. Eh, on peut les faire presque en un cycle, hein, le truc. Oh, petit gâche d'un dent, t'es vraiment le meilleur. Effectivement, c'est pas cool ça que malgré le fait que tu puisses prouver qu'il est bien à lui. Jeter un œil dans cette pièce. C'est vrai que c'est con ça que tu puisses pas le déverrouiller. Les pirates rangent leurs inventions. Mm-mm-mm.
Et donc ça, c'est le fameux radar à Loom, s'il me semble, non? Rayman, il sait même pas ce qu'il a chopé. Et il fait « Ouais !» Rayman, il sait même pas ce qu'il a chopé et il est content. Ça aurait pu être un poison, ce truc, et le mec, il sait pas, il est là genre « Ouais, trop cool! Ouais, trop bien !» N'importe quoi. Après, tu viagras un néon. Alors, bienvenue chez Apple, tu as paumé ton mot de passe, tu as fait trop d'essais, bah t'es foutu, tu pries pour avoir une sauvegarde de tes données. Putain la vache, mais c'est trop mal fait. Bon, j'imagine que j'ai dû les rater au début du coup. Ouais! Bon, on va le recommencer le niveau, maintenant que je l'ai radé. Oui, je sais, accès refusé. Ah non, mais j'ai pas dit que t'avais pas le droit de le dire, je disais juste que je la connaissais pas celui-là. Enfin, celle-là. Donc, comme on a libéré Clark, il va pouvoir nous dégager le chemin vers le prochain endroit. En ouvrant la voie comme il sait si bien le faire, c'est-à-dire en fonçant dans le mur, hein. Que grand classique. Donc, je vais faire une petite sauvegarde rapide. 70, 15, 50, 30, 30, 50, et donc la caverne de l'écho. Les cavernes de l'écho, mais non, c'était là où c'est là d'où je viens. C'est les cavernes de l'écho que j'étais. Ah bah oui, je crois que oui. Très bien, donc je fais une petite sauvegarde rapide. Je vais voir si il me manque des looms, parce que je ne sais plus du tout du coup s'il me manquait des looms ailleurs. Putain la vache, c'est violent cette résolution de matériel là. Tu dis de te connecter sur un endroit et te dis de te connecter ailleurs, c'est très mal fait. Oui, a été de nouveau oui je sais, on s'en fout. Donc là il y a 30, là il y a 30, là il y a 50, 50. 50, 80... Ah, 45, le tombeau des anciens. Le tombeau des anciens, il me manque 5 looms. Très bien. Ma chaise qui grince, pour votre plus grand bonheur. Ah bah oui, bah c'était ça, effectivement, le tombeau des anciens. Donc là, si je vais par là, je ressors, c'est ça? Oui, si je vais par là, je ressors. Donc en fait, il y a un endroit où il me manque des looms, du coup, dans un autre endroit. Faudra que j'y retourne. Donc ici, non, non, parce que du coup, on va retourner là-dedans, en fait. Ah oui, d'accord, en fait, c'était des escaliers, ça. J'avais pas l'impression que c'était des escaliers, ce truc. Alors, il a déjà été avant et on lui a de suite dit qu'il devrait payer 60€ ou 70€ pour la réparation. Putain la vache! Donc apparemment les looms qui me manquent sont par là-bas, très bien. Donc on va juste récupérer ça. Tiens, il y avait une torche de pas, qui n'était pas allumée. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Alors, où êtes-vous ?
Déjà, ils n'ont pas l'air d'être en bas. Ah, faut que je réactive tous les interrupteurs. Bon, on va réactiver tous les interrupteurs. Vous êtes sûr que je peux pas le faire? Que je peux pas le faire sans? Vraiment? C'est vraiment trop loin? Même avec un... Non, non, je peux pas... Effectivement, je peux pas le faire. Bon. On va retourner activer les interrupteurs dans ce cas-là. Oh, fais pas chier l'araignée. Et il est encore sous garantie l'iPad? Parce que si oui, putain, c'est abusé quand même tout ce qu'il doit payer le pauvre gars. Le mec il nous envoie sa mauvaise haleine, mais trop cool. Super sympa. Allez, veux-tu mourir? Oui, trop bien! Quand je disais veux-tu mourir, tu sais Rayman, je parlais pas de toi fondamentalement. C'est deux canards dans une mare, il y en a un qui fait coin-coin et l'autre il dit putain c'est ce que je voulais dire. Allez laisse-moi passer le robot zombie. Oh mes chauves-souris. Oh mais les fantômes. Ouais, j'ai quand même besoin du premier. Je me suis dit peut-être que j'ai besoin que des deux derniers, mais non. Il me faut bien le premier aussi, donc bah tant pis. On va retourner voir nos potes, les araignées. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Allez-y. Petit ralentissement qui fait plaisir. iPad 2 donc non, mais même tu resets la... un reset d'un iPad c'est 30 secondes de manip et ensuite tu laisses iTunes faire le reste cher payé pour rien faire. Effectivement j'avoue c'est très cher payé même. Très très cher payé. Et même le fait d'appuyer, enfin en tout cas moi je sais que sur mon iPod ça marche. Pardon, le fait d'appuyer sur bah, la touche centrale et ah ok et menu ça marche pas, enfin sur les iPods classiques ça marche. Ah ils sont peut-être par là en fait, ouais je vois, mais alors comment j'y vais? Effectivement ils sont complètement par là même. Comment j'y vais? Comment j'y vais? Telle est la question. Ah ouais, du coup, je vois bien où ils sont, mais tu peux pas les sortir sans réinitialiser. Si, en plus, c'est faisable de chez soi. Eh bah, dis donc. C'est vraiment cher payé pour ce que c'est. Je vais tenter un truc. On va bien voir. Si, genre, j'y vais en volant comme ça. Est-ce que je meurs ou est-ce que c'est possible? Complètement possible. C'est vrai que j'ai complètement oublié cet endroit. Yahoo! Je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'excite, mais bon. Genre, ouais, t'as trouvé un loom, c'est trop bien, c'est ça. Est-ce que tu peux faire face aux pirates? Ça m'aiderait, Rayman. Ah, on va se taper du son dégueulasse, ça va être formidable. Tension les oreilles.
Donc ça fait du bien quand ça s'arrête. Est-ce que tu veux bien taper sur l'araignée? Merci. Ah, oh là là, c'était bruyant. C'était d'un bruyant. Danny bruyant. Bon, bah, va falloir qu'on se refasse tout le niveau. Wait. Est-ce que tu peux viser les rouages? Merci. Non, tu veux pas. Là, c'est pareil, je vais pas demander de taper, il va se faire taper. Je suis pas morte, c'est faux. Ben non, je peux pas quitter le niveau. Je peux pas quitter le niveau. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ouais, là c'est vrai que le petit, je quitte le niveau façon Spyro. Ce serait le bienvenu parce que ce niveau est un petit peu long quand même. Heureusement, heureusement tu te retapes pas le boss. Ça c'est une bonne chose déjà. Bon, la chauve-souris, sérieux. Notez qu'il n'y a qu'un seul pirate. Si je le tue, il y en a d'autres qui pop, mais si je le tue pas, il n'y en a pas d'autres. C'est bien, hein. C'est bien. Oh là là! C'est très la fatigue. Mille excuses. Fait passionnant. Ah non, je suis tombée. Je suis complètement tombée. Il y a bien un Looms qui va finir par le toucher, non? Ça y est. Buh. Frisson. Pouf, 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 pouf. On grimpe. C'est la fête à Jean Grimpe. Va savoir. Bon, et tu sens très mal. Allez, salut. T'es deg, hein. Tu t'attendais pas à ça, hein. Tu t'attendais pas à ça, le pirate. Allez, salut. Ouais, c'est un peu chiant que tu sois obligé de te refaire tout le niveau pour un loup s'oublier. C'est un peu chiant. Alors. Oh, me dis pas que je dois refaire le boss. Non, c'est bon. La spirale, elle est là. Ça y est. Pouf! Voilà qui est fait. Allez, c'est parti pour le mâchage. Ça vous avait manqué, j'en suis sûre. Attention. Go!
toujours une montée en puissance du son à la fin de la course, hein, je ne sais pas pourquoi. Là, on sauvegarde. Hop, hop, voilà. Donc là, c'était le seul niveau qui nous manquait dans le truc des collines au menhir, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que la plaine aux oxygrues, c'est bon. Je suis Clark. Il connaît le chemin qui mène au dernier masque. Je vais voir ici, mais logiquement, j'avais tout pris. Logiquement, j'avais tout pris hier. Alors, tu n'as plus rien à faire ici. Alors, donc je vais vous lire ce que Pas Courant m'a écrit, puisque comme il l'a dit, c'était pour pas spam. Donc très bien, j'avais déjà tout pris. Oups. J'avais déjà tout pris. Donc, alors, la blague de Pas Courant. Qui mène au dernier masque. Avant ça, il me semble qu'il y avait un niveau où il me manquait. Ouais, voilà. Alors, c'est un singe. Il rentre dans un bar et demande au serveur : vous avez des bananes ? Non, je n'ai pas de bananes. Alors, le singe insiste : vous avez des bananes ? Non, je n'ai pas de bananes. Vous avez des. Oh, la prochaine fois que tu me demandes si j'ai des bananes, je te cloue la langue au bar. Vous avez des clous ? Non, j'ai pas de clous. Alors, vous avez des bananes ? C'est un peu mignon. C'est un petit peu mignon, j'aime bien. Alors, où qui est le Looms qui me manque ? Mais non ! On va te faire foutre ! Qui mène au dernier masque. Je l'ai entendu chez Bing, hein. Oh ! Je savais pas que c'était une blague de lui. Re Mr. Cross. Donc, alors. Où est le Looms? Et là, si jamais il est au. Si jamais le Looms était au début du niveau, je ne pourrais même pas retourner dans la spirale, puisque ce niveau. C'est un niveau monté des eaux, donc ben, la spirale sera engloutie au bout d'un moment. Cet endroit n'existera plus, il sombrera dans les mers, dans la mer profonde. Dans les cours d'eau déchaînés des abysses de Rayman. Des abysses du monde de Rayman plutôt. Haha, raccourci. La dernière fois je l'avais pas pris parce que je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de looms justement. Mais tu peux tout à fait cheese le game. Mais j'avais sauté. Accroche-toi, Rayman. Accroche-toi, Rayman. Bon, le Looms n'était pas ici. Non, je ne veux pas sauvegarder la partie. Je sais que tu vas me le demander. Ah, le Looms est dans le coin. Où qu'il est ? Quoi, il est genre au-dessus là ? Non, je pense pas que ce soit possible qu'il soit... Bon,
Tu l'actives l'interrupteur, Rayman? Comment ça, au-dessus? Je pense que ça doit plutôt être depuis un autre endroit, en fait. Attendez, je vais aller activer les interrupteurs. Oh, je suis sûre c'est faisable. Je suis sûre c'est faisable. Je suis sûre c'est faisable. Allez. Bon. Ben non, Rayman ne veut pas le faire. Très bien. Bon, à tout hasard. C'est pas là, hein, on est bien d'accord. Complètement passé par la fin. Tu peux activer l'interrupteur, mais c'est tout. Non, lâche-moi ça, Rayman. Mais Rayman, ça suffit! Mais où est-ce qu'il est? Il doit être à l'extérieur. Là, il est complètement au-dessus. La caméra folle. Rayman, tu vas dans ta chambre. Alors, on s'en rapproche. Ah! Putain, il était là. Il était là, salaud. Salaud de Looms. Ah! Ouais, trop bien. Mais non! Mais oui, Rayman, il ne veut pas s'accrocher à une falaise alors qu'il le pourrait, mais il tient à ce cambran comme si c'était sa vie. Mais elle cherche pas, Rayman, il n'est pas logique. Merci, j'ai encore cru que t'allais mourir. Je m'excuse, j'aimerais passer. Caméra! C'était super génial. J'ai adoré cette vue. C'était fantastique. Et j'ai carrément oublié d'activer l'interrupteur. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ah mais non, il est pas là. Ça va, tout va bien. J'ai pas fait de la merde. J'ai pas fait de la merde, je m'emballe. Le dernier interrupteur se trouve ici. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas activé l'interrupteur. Mais en fait, tout va bien. Tout va bien. C'est juste moi qui flippe pour rien. Qui dit de la merde. Qui fait de la merde. Merde, merde, merde. Chaud ta whoope. I'm a flying manager. Rayman. Mais. Ah, je vous jure, ce gosse. Pastèque, pourquoi t'es tombé? Qu'est-ce que je fais de toi maintenant? Pardon, j'ai autre chose à foutre que de vous combattre. Hey Fims, how are you? Nope. Oh
I don't give a shit. Sayonara. I'm fine, thanks. I'm just searching for the last rooms in this level, and now I've got them all. So I'll be able to finish this and go on the adventure. Sometimes the music reminds me of Spyro in here. Some sounds. This. You wanna do some Spyro speedruns at some point? They seem pretty neat. Yep! I know the Spyro 2. I know some tricks. But yeah, Spyro seems pretty fun to speedrun. The third one seems quite nice to speedrun as well. Well, the Spyro 1, 2, 3 are very nice in speedrun, I think. And even if I don't really like the skates in Spyro 3, the speedrun seems pretty cool when it's done in a 100%. Otherwise, you don't see any skateboard. Let's go! It's time to mash the buttons! Attention, attention! Go! Oh, that hurts! That's horrible! Medua! Ow! Ouch! So horrible! I hate those minigames! When they're short, it's okay, but when they're long, that's horrible! I'm bad at mashing buttons. Bien, 86%, continuons. Je crois qu'on a tout jusqu'à présent. Oui, 860 looms, ça me paraît pas mal. Ludu, when I'm gonna see you do some speedruns? I don't know. I don't know, cause you know, I love speedruns. I love learning some tricks. But speedruns, I don't know, cause I don't think I would have the patience to play the game over and over and over and over and over and over again and again. So I don't know. One day maybe, but I don't know. Do 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 do.
that the mind numbing repetition is the fun part. Yeah, but I need to change game or I get bored. So that's why I cannot really run games. Even if I can do some game over and over again, I don't think I'm meant to speedrun things. But I do love speedruns, I love watching them, that's very good. And I must admit that I'm kinda a lazy ass, so and speedruns, that's a lot of work, lots of things to do. But I don't know, maybe I'm just gonna try for fun. I don't know, I can't promise anything. But maybe one day I'm just gonna practice just for fun. Not serious speedruns. Cause I'm pretty sure I would suck at that. Ça pourrait être marrant, ton bébé serait qu'avec des fails du début à la fin, parce que si tu fais du beau jeu, tu bloques pendant 5 minutes sur une place après, absolument. Grungy just said that my speedruns would be with a very, very, very fail, with many fails. Sorry, not very, with many, many, many fails. Because when I show some skill, then I have to die over and over and over again, and I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die! Ah! No. No. Because I'm pretty clumsy, so I'm sure I would do so many mistakes. I couldn't even speedrun anything. Whoops. Give me the rooms. I want the runes! I need the runes! Wow, camera! That's too quiet. Nous sommes de retour pour vous jouer à mon retour. Je suis des streams ou des chaînes YouTube quotidiennement. Eh bien, tu connais déjà la réponse. Vinny de Vinesauce. Et plus récemment, Limelicious de Vinesauce également. Voilà. Niveau stream, c'est les seuls que je suis vraiment assidûment. Parfois, je passe un peu sur les chaînes des copains, mais c'est tout. Après, Vinny, c'est surtout sur la chaîne VOD, donc Fine Sauce, Full Sauce. Ça vous avait manqué, hein, je le sais, hein, ça vous avait manqué, hein. Ça vous avait manqué, hein. Stock à chercher, hein, stock à chercher. Mais non, à part ça, en fait, je regarde pas grand-chose. Je regarde les trucs, enfin, ce qu'on peut appeler le classique dans le YouTube français, donc un peu joueur du grenier, un peu chroma, etc. Ce genre de choses, j'aime bien. Mais à part ça, non, pas. Je regarde pas tant de choses que ça en fait. C'est vous qui avez cherché en même temps, hein, vous vous plaignez pas. Mais c'est pas gentil, c'est vous qui avez cherché. Pourquoi tant de bébés et de haine? C'était bien le stream de ce week-end. Ouais, carrément, c'était vachement cool.
Ils ont récolté plus de 60 000, je crois, quelque chose comme ça, pour les dons pour PCRF, Pediatric Cancer Research Foundation, si je dis ça bien. Enfin, ça c'était le dernier truc que j'avais vu parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore ajouté tous les t-shirts, tous les achats de t-shirts, donc j'imagine qu'il y a peut-être encore plus de dons que ça. Les jeux proposés étaient super intéressants, c'était vachement bien. Ouais, j'ai passé un bon moment à les regarder, c'était très très cool. Ouais, bah ouais, faut que tu regardes la suite, effectivement. Do the balloon! Ça va, t'avances dans ce que t'as loupé, Lulu, t'en es à la moitié de Spyro 3. Waouh! Waouh, mais t'as vraiment du courage! Tu as vraiment du courage. Mais en même temps, je comprends, moi je fais ça. Pour ceux dont on ne doit pas nommer le nom, hein. Some guys, Mr. Cross to keep the anonymous. So the guys in my chat, when I mean guys, it's both girls and boys, are complaining because I used to talk a lot about Vine Source and all. Because of the charity stream, and then some other things, and then and then they're just like, "Oh no, please shut up, shut up," and I'm just like, "But please." Mais c'était marrant le cassage de jeu de Spyro 2. Ah mais ouais, mais Spyro 2 c'était trop bien, effectivement. Spyro 2 c'était trop trop cool. J'étais trop contente de pouvoir tout casser et surtout de l'emmener jusqu'au bout. Parce que ce coup-ci, j'ai été capable de finir le truc jusqu'au bout. Alors, le robot pète, hein, je crois, parfois. Vous avez vu, il pète. Il y a des loops en dessous. Ah non! Why did you kill me? You asshole. Just farting all the way, that's funny. Ah oui, non mais t'en fais pas, hein. Je sais bien que tu parles de Spyro 2. Mais si, ouais, c'est un vrai gruyère ce jeu, et en speedrun c'est encore plus impressionnant à quel point il est complètement cassé le jeu. C'est assez foufou. Parce que bon, moi c'est vrai que je le casse un peu, mais pas tant que ça, il y a pas mal de trucs que j'ai pas vraiment réussi à faire, donc... Star Wars, ouais. Des AT-AT ou des ATTA, des ATAT, des ATAT, des je sais plus comment ça s'appelle en français. Je sais plus leur acronyme, je sais que ça change du français à l'anglais. Mais moi je connais les ATAT, je crois c'est ça, ou les TATA, ou les ATA, ou les TSA. Je sais plus le nom en anglais. C'est ça, c'est des AT-AT, des ATAT. Hâte. C'est comme des flûtes flûtes mais en hâte. N'importe quoi, ta gueule. Lui. Alors, 2 petites minutes, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, oups, j'avais pas vu. Est-ce que c'est important? Please, phone. Ah oui, non, mais bah c'est bon en fait. C'est des trucs. Ça, je ne l'avais pas vu, effectivement. J'avais reçu un message de mon papa, mais je l'avais pas vu plutôt. Donc tout va bien, tout va bien. Je lui ai déjà parlé. Everything is okay. En français, c'est TBTT, c'est ça. C'est ça, c'est TBTT. Transport blindé tout terrain. Moi, j'aime bien les ATAT. Je trouve ça rigolo.
Je peux pas ouvrir la porte. Bien, alors, je sais plus par où faut commencer en fait. So I'm. I don't know. I think it's around here, but I completely forgot where I'm supposed to go to begin this level. I think it's over there, but yes, that's over there. I have to jump on the box, and when he jumps, then I can reach the this. There you go. Donc voilà, en fait, c'est ça ce que je devais faire. Maison de correction pour enfants turbulents. So this is a house when the kids are how do you say that? Hyperactive, maybe? You send them here to calm down the kids. Non, les TBTT, c'est les gros sur out. Il y en a un sur Endor aussi. Ah oui, c'est juste TRTT, c'est les bipèdes. They are too méchant. Tout méchant. Ça doit être une connerie genre transport rapide tout terrain ou alors ils se sont trompés sur la trad. Va savoir, je ne saurais te dire ça, j'avoue que je ne m'y connais pas trop. Je connais pas tous les acronymes, malheureusement. Et oui, notre petit copain, le missile. Wouhou. Wow. Wow, 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 wow. Ok. 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 Mon point. Go. Les ATSD pour les bipèdes. All terrains, scoot, transport. Ok. Et je sais que j'ai oublié un oops là-bas. TKT, je vais remonter. Je me transforme en Waluigi, je vais faire ouah. Alors, faut que je fasse demi-tour maintenant. Genre lui, elle fait les mêmes bruits que Yoshi. Le Yoshi de Sony, lol. Ou alors Yoshi, c'est le missile de Nintendo. Il a cassé des culs aussi. Ému des héros. Ému des héros. Être près de lui sans savoir ce qu'elle fait, ça ferait peur. Mais né. Mais né. Bon, alors où est-ce que t'es? Ah, je crois qu'ils sont au-dessus encore, non? Je peux pas grimper encore au-dessus. Non, ils sont par là. Mais j'imagine que si je descends... Ah, mais oui, ils sont en dessous. Ils sont sous les pierres. Sous les pierres, je les récupérais tout à l'heure. Yahoo! Wow.
se retourner acrobatique. Acrobatique. Yeah! Voilà, moi c'est ça ce que je voulais faire, c'est tout. Alors, effectivement, il n'y a rien au-dessus. Très bien, il n'y a rien au-dessus. Yeah ! Lulu pourrait faire rire, faut lui donner un monsieur et un missile. Tu dois être de la famille de Kim Jun. Mais n'importe quoi. Salut Béret Basque. Mais je fais n'importe quoi. Mais... arrête de mourir. Mad. Allez, allez, on meurt plus. On meurt plus, c'est fini. Plus de mort. Et donc les gens, vous pouvez tous dire merci à Béret Basque et lui faire 1000 bisous. Parce que c'est grâce à lui que vous avez eu des jeux pour ceux qui ont gagné. Et c'est grâce à lui que vous avez eu une chance d'avoir des jeux. Pour ceux qui, bah, qui n'ont pas réussi, je vais mourir. Ah, ah. Man, please. Stop. Vous croyez que je meurs si jamais je descends genre comme ça? Oui, je meurs complètement. Quoique je suis sûre que je peux trouver un moyen de pas mourir. Et bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Au secours. Au secours. Je comprends rien à la physique du jeu. Il est fou le jeu, il est fou. C'est bon? Non, ça si c'est bon, ça y est. Je recommence d'ici, non mais oh. Je vais faire une sauvegarde après avoir activé les interrupteurs. Il y a une physique? Je crois que oui. Je crois qu'il y a une physique dans le jeu, mais je suis pas tout à fait sûre. Alors ce serait mieux stationner les leviers en fait. Non? Si, peut-être, je ne sais pas. Bon, celui-là c'est bon. Voilà. Voilà. Et donc là, pouf, là on va faire une sauvegarde. C'est vrai qu'il faut que je pense à... Il faut que je pense à, accélérer en fait. Genre... Wouh 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 wouh. Voilà, comme ça j'ai tous les looms. Hey, on est bientôt à la fin du jeu. Il ne reste plus grand chose. La NX sera une console portable avec une dock station pour brancher sur une TV et utilisera des cartouches. Oh, ça peut être cool ça. Enfin, dit comme ça, c'est, je sais pas trop, mais ça peut être intéressant. Il était tout bogué le robot, absolument. Ça peut être intéressant, enfin en tout cas moi je suis assez intriguée pour la NS, donc on verra bien. Alors boss que il me semble, on ne voit pas. Golem 13, fabrication en flux tendu. Boss que on ne voit pas, il me semble, dans Rayman sur PS1, parce que c'est un des bébés Glowbox qui vous donne le masque, je crois.
Donc je crois que enfin je crois qu'on le voit pas, il me semble, hein. T'avais entendu ça aussi, tu t'es dit que ça servait à rien alors comme console. Ça servait à rien alors comme console dans le genre une semi-portable. Si ça fait comme une mablette, ce sera drôle. Ben, on verra en tout cas comment ça fait. I love hearing people speak French. I have no idea what was going on, but it's a nice change of pace from English. Well, first I was laughing because the physics in Rayman when I was on the missile were completely fucked and some weird shit happens. And then I was told, I told the people to thanks Beribask because thanks to him they could win some key for some games. And then I told that this boss isn't in the Rayman PS1, so The Great Escape, I think. Because that's a Globox kid that gave you the mask, but I'm not sure. But I think that's like that, maybe. So that's what we're talking about.